Hop, hop, et c'est parti pour le petit live du samedi. On se connecte. Donc il va nous falloir un certain temps. Donc aujourd'hui au programme, le Void, on va objectif le Void Miner. On va essayer de se l'installer. Et puis après, ben, tout ce qui touche un petit peu à l'automatisation de notre système de minage. Hein. Alors, je crois que ça, je l'ai fait hors caméra. On a nos tamis qui marchent. D'ailleurs, pourquoi il y a du sable qui passe là? Ouch, has net fell out. Ouh, y a. Toc, 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 toc. Je pense que c'est parce que les crusheurs qui font de la cobble, il y a un petit pourcentage d'avoir du sable. Et comme. Ils sont bien chargés d'ailleurs. C'est marrant ça. Celui-là, il ne se charge pas par contre. J'ai deux cols générateurs pour quatre crusheurs. Donc j'en ai deux qui tapent du gravier, qui tapent de la cobble pour avoir du gravier pour ce tamis-là. Et puis je me suis installé un autre crusher qui récupère aussi du gravier, qui récupère aussi de la cobble pour faire du gravier. Et on envoie ça dans un deuxième crusher qui là prend le gravier pour le transformer en sable. Et donc la part en dessous, ça part dans le deuxième tamis. Donc mon deuxième tamis là-bas, c'est officiellement un tamisage de sable. Alors que là, c'est un tamisage de gravier. Mais il se retrouve du sable parce que j'ai rien filtré. Là, j'ai bien filtré la sortie pour ne prendre que le gravier. Parce que le problème, c'est quand j'avais du sable là-dedans, quand j'avais du sable qui partait, en fait, le sable ne rentre pas dans le crusher. Parce que le sable, quand on le tape au marteau, ça se transforme en poussière, mais pas dans un crusher ou un pulvériseur. Il faudra passer par une autre machine, si on a le temps, on la verra tout à l'heure. Parce que je voudrais bien avoir de la poussière, mais ça va se faire avec une autre machine, ça. Donc j'ai mis un filtre au niveau du cerveau. Le problème, c'est qu'on voit que là, bah, le sable. Le sable, il se stocke là, du coup. Alors, il faudrait que je puisse l'envoyer. Mais là, ça va pas marcher, je pense. Hein. Faudrait que je l'extraie autrement. Alors, je vais changer ça aussi. Parce que là, j'avais fait un petit cerveau pour sélectionner du fer, du cuivre et de l'étain. Mais en fait, il faudrait que je prenne tous les hors-pistes, tous les hors-pièces. Ah, petit coup de manivelle, ça porte bonheur. C'est un moulin à prière tibétain en fait. Hop. Donc là, je vais regarder les cerveaux pour avoir des trucs un peu plus costauds. Cerveau. Donc le cerveau de base, il y a le cerveau Hardened, le cerveau Reinforced, le Signalum cerveau et le Résonant cerveau. Alors celui-là, on voit le Hold Shift pour détail. Tac 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 tac. Alors déjà le premier. Tac tac. Donc extraction rate, il y a 3 secondes. Max tag size 8. Et en option de filtrage, il y a juste blacklist. C'est d'ailleurs bizarre parce qu'on a blacklist et, enfin blacklist, whitelist. Pour l'Hardened, on voit que l'extraction rate est plus rapide, il fait 2 secondes. Le max tag size est de 16. Et dans les filters options, on a blacklist et metadata. Mais ce qui va nous intéresser, c'est plus peut-être le mode owner. Donc il va falloir passer sur du reinforced pour avoir un filtre plus important. Là, en extraction rate, en plus, on est plus rapide, on est sur du 1 seconde. Ça va pulser. Alors, pourquoi? Parce que là, si on a le mode owner, on va récupérer tout ce qui est ex nihilo. Les tech reborn, les Minecraft de base, les Astral Sorcery, les biomes aplantis, tout ça on les prendra pas. Donc on va partir pour essayer de faire ça. Alors qu'est-ce qu'il faut? Eh ben, c'est pas bien compliqué. C'est pas bien compliqué. Il faut de l'électrum. Ah zut!
Alors comment est-ce qu'on fait de l'électro, est-ce qu'on peut faire de l'électrum avec du tinker? Ah non, on peut pas. Ah si. Il faut du molten électrum et on fait le molten électrum comment, monsieur Cadbury? Ah, il y a smelting et alloying. Alloying, c'est alliage. Alors, il faut du gold et du silver. Ah, le silver. Ah, il faut mélanger du gold et du silver. Alors ça, de l'alliage, on n'a encore pas fait, hein. Alors, du gold, on en a. Enfin, on en avait. Bon, je peux encore refondre des lingots au pire. Le problème, c'est le silver. Le silver, on en a que sous forme de minerai qu'on a été chercher quand on a été dans le monde du minage. KO or, thorium. Silver, j'en ai 4. Donc je vais les fondre. Salut Jean-Luc. Et merci à Gilles et Groumi pour l'indication. Donc non, ça je dois pouvoir les fondre directos. Puis en même temps je vais fondre 4 d'or, mais j'aimerais bien avoir 4 d'or moi. Alors, si je prends 4 lingots d'or, c'est bon. Ah zut, il fait la fonderie. Ah zut, non, non pas ça malheureux. Ah, il n'en a pas eu assez. Voilà, je suis. Ah, le silver pour. Il faut du diamant. Il faut des cives en diamant pour en avoir. Comment je vais faire? Il faudrait que j'aille me trouver un cinquième. Avec des pipes. Je pourrais le remettre dans le truc. Dans le four tinker. Je peux pas réinsérer n'importe où dans la cuve. Si je me mets là, ça marche pas. Ah non, il se connecte pas. On va enlever le fossé. Déjà, il y a la moitié qui sont partis dans le Molten Silver. Un seau. Ah, j'aurais pu récupérer avec un seau, remarque, peut-être. Ouais. Bon. Il faut là. Le Crescent Hammer magique. Voilà. Donc c'est bon. La boucle infernale, ouais. Alors, on va répéter tout ça, hein. Lui, il est vide, hein. Ouais. Et on remet le fossé. Hop. Ouais, c'était malin de le laisser tout le temps allumer ce truc-là. Bon, allez, on met l'or. Alors, on a le mélange. Ah, on avait plus de silver que de. Donc j'ai 8 ingots. Il me faut encore de l'or, quoi. 4 lingots. J'en avais mis comment? 4? Je pense qu'il m'en manque juste 15, alors. Ah non, s'il disait qu'il avait 8, il en faut 8, il en faut encore 4 alors. Donc un bloc d'électrum. Donc là maintenant je peux actionner ma pompe. Eh, où tu vas? Mais.
non, il va me mettre du sang dedans. Arrête, sors de là tout de suite. Malheureux. Ah, il m'a infesté mon... Ah, il m'a salopé ma smelterie. On peut plus compter sur personne. Ah oui, il doit... Ah non, j'aurais dû le faire sous forme de lingot. On n'y arrivera pas, hein. On n'y arrivera pas. Oh là 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 là. Bon, on va le remettre dans le bazar et je vais le couler sous forme de lingot. Ah ouais, ça l'a fait disparaître. Hein. Bon, donc du coup... On va couler notre électrum là-dedans. Hop. Ah bah ça n'a pas été facile. Hein. Est-ce qu'on peut faire des lingots de sang? Oh, ouais, c'est vrai. Comment on peut l'éliminer, le sang Parce que c'est... Il y a un système pour éliminer ça. Il n'y a pas un système de poubelle. Oh, dis donc, du lavage, j'en ai quasiment plus. Bon. Donc, on était parti pour se faire un cerveau amélioré. Un reinforced. Et hop. Ah bah là il est plein le truc. Et bah ça tombe bien. Alors comment je l'enlève lui? Est-ce qu'un clic droit suffit? Non. Toc toc. Faut que je le pète. Puisque c'est ton test. Hein. Hop. Et puis donc un reinforced. Arrêtez de me balancer des trucs. Bon, là, on va lui dire... Alors, comment ça marche? Que je me souvienne bien. On veut pas qu'il use les metadata, on veut pas qu'il use le NBT. On veut qu'il utilise le mode Honor. On le whitelist, et on dit... Hop. Donc le mode Honor, c'est ex nihilo création. On dit, c'est parti. Et là, normalement, tout ce qui est ex nihilo doit partir. Ouais, voilà, ça se vide. Hop. Donc ça va arriver là. Au bout d'un... Ah bah voilà, ça arrive. Et donc là, ça va bosser. Ça va bosser. Donc maintenant, il faut que j'élimine ce qu'il y a là, parce que sinon, ça va vite coincer. Donc on va se remettre un crate. Bon, on va le mettre là. Est-ce que ça l'éjecte directement ou pas? Parce que j'ai pas un item flux, un item. Ouais, il va falloir stocker, ouais. Et hop. Bon, on y va doucement. Hein. Là, normalement, tout va dégager ici. Et puis là, bah, ce qu'il faudra qu'on fasse, c'est une alimentation automatique, bah, peut-être avec un cerveau. Donc, on tamise du gravier, on tamise du sable, ce qui va nous manquer, c'est le tamisage de la poussière. La poussière, c'est du sable qu'il faut taper au marteau. On peut pas le passer, on peut pas passer le sable dans un crusher, ça bloque tout le truc. Donc là-dessus, on est coincé. Il va falloir qu'on utilise. Alors dans le livre de quête, on l'a au niveau du béguinage, c'est tac tac tac. Excompressum automatique, c'est un auto-hammer pour casser. Alors c'est assez simple à faire. Pour transformer le sable en poussière. Et puisqu'on a un auto-hammer, derrière vous avez vu, il y a l'auto-sieve.
l'autosif, ça va remplacer ça. Bon. Alors, donc on fera ça tout à l'heure. Pour l'instant, on va s'occuper du Void Miner. Je prononce bien l'anglais, hein. Je commence à m'améliorer un peu. Un petit coup de prière, là. Hop. Donc le Void Miner, on avait commencé. Déjà, on avait débloqué le Environmental Tech. Je suis sorti du bouquin. Donc Environmental Tech, c'est loin Environmental Tech, c'est où? Ah, c'est là. Donc il fallait se faire du lithérite cristal. Donc ça, hors caméra, j'en ai fait 64. Donc ils sont là. Et puis on avait commencé à faire une diode, une lentille de laser, et puis deux interconnects qui nous avaient donné bien du mal parce qu'il fallait du béton noir, et pour avoir le béton noir, il fallait du colorant noir, et on avait galéré avec le black dye qui colore en tout sauf en noir. Parce qu'il nous faut un void miné contrôleur. On a déjà les deux interconnects. On a déjà la lentille laser et on a la diode. La lithérite, ça se fait. Donc il en faut 4 blocs, il faut 4 x 9, il en faut 36. Donc ça, on les a. Hein. Je le fais doucement pour faire monter le suspense en fait. Donc ça, on l'a. Et au sujet de la couleur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir de la Ce que je recherche, c'est du Prosperity Or. Et dans le Void Or Miner, avec la lentille claire, on a 0,77% de chance d'avoir le minerai. Avec le Light Gray, donc le gris clair, on a 2,85%. Donc on va se faire une lentille gris clair. Gris clair. Il va falloir du noir. J'ai plus de poudre. Non, j'ai plus de poudre. Bon, on va refaire. Hein. Tac. Et donc on va se récupérer la lentille. Pourquoi j'en avais deux? J'en ai besoin que d'une, hein, de gris clair. J'ai déjà du gris dans mon crâne. Dommage, hein. J'aurais dû lire le message avant. Exact. Et disons, vous avez l'œil. Comment vous faites? Ah oui, parce qu'il faut en fait une lentille pour faire le Void Or Miner et il faut une autre lentille pour l'assemblage de tous les éléments. Et il me faut un bloc de diamant. Le bloc de diamant devrait pas être un problème. Donc là, je vais pouvoir me faire le... Ah, il a pris le clair. Je peux me faire le Void Or Miner Controller tier 1. Back. Ouais, cool. Après, il faut que je me fasse un outil d'assemblage qui est le multi-bloc assembleur. Obsidienne, lithérite. Ah, il me faut deux d'obsidienne. L'obsidienne, c'est pas un problème. Oh, j'ai une quête. J'ai le Void Or Miner Controller. Ouais. On clame son innocence. Lorem Ipsum. Dans le coffre de brin. Dans le livre de quête, il avait l'air de dire que... Ah, structure frame. Oui, il va en falloir tier 1. En fait, il va pas nous en falloir 1. Il nous en faut... Structure frame, il en faut 24.
Ça veut dire qu'il faut 48 de ça. Oh! 24 interconnect? Non mais sérieusement! Oh, c'est coûteux. Oh, ça coûte. Bon. Allez, on va déjà faire le truc d'assemblage. Hop. Est-ce qu'il y a une quête là-dessus, sur le truc d'assemblage? Ouais. Ouais, gling-gling. Allez, le coffre à brin. Alors, pour savoir ce qu'il nous faut pour le tier 1, donc c'est 24 frames, 20 structures panel, 2 laser corps et notre laser lance, on l'a. On va pas la faire claire, nous on va la choisir grise. J'aurais besoin de connecteurs pour les structures panel, bon courage. Ah, il en faut aussi pour les structures panel. Non. Structure frame, on a vu qu'il en fallait. Structure panel. Oui, c'est juste des connecteurs. Il faut du. Il faut de la redstone. Ah oui, et puis pour la redstone, il faut. Il faut tamiser de la dust. On va peut-être donc faire une pause dans le digital miner parce que vu le nombre d'interconnects, il en faut 20, hein. Fois 5, il faut 100 redstone plus ceux qu'il faut là pour refaire l'interconnect, et pour faire un interconnect il en faut 4. Ouh, ça va piquer en redstone. Bon, après la redstone on va en couche 11 dans le monde de minage, on va en trouver masse, hein. Parce que là la redstone j'ai tout récupéré ici et j'en ai pas mal, j'en ai 100. On va les grouper par 50, c'est plus facile. J'en ai 118, mais ça va pas faire assez. Et là, eux, pour. Dans le tamisage, c'est de la dust. Bon, c'est ici. Déjà, le auto-hammer. Bon, 6 lingots de fer, plus 2 lingots de fer, plus... Hop. Il me faut des plaques de fer. Ah non, c'est l'auto-hammer qu'il me faut. Et hop. Complète. On se fait l'auto-sieve. Il va me manquer les blocs. Pourquoi tu me remets ça là? Parce que j'ai tout pompé à côté. T'es pénible. Hein. T'es vraiment pénible. Hein. L'auto-sieve, il est là. Et hop. Gling-gling. Gling-gling. Je pourrais juste le poser là, avec un tuyau ça va là-dedans. Par contre il faut que je l'alimente en... Mais c'est pénible ça. Il faut que je l'alimente en énergie. Bon, l'énergie après elle viendra par le sol avec... Je pense on câblera tout en Enderaio dès qu'on pourra plus s'équiper. Donc c'est pas un souci. Et puis il faut pas oublier que c'est une base temporaire. Donc est-ce que je peux installer tout de suite le transfert node? Ah ouais, cool. Donc là c'est l'auto sieve qu'il faut mettre. Ah ouais, c'est celui si on a un tag name Skin Kekuma. On peut lui donner un nom.
Je pourrais dire, par exemple, si je m'embête de Roi Louis, je prends un tag name, je lui mets Roi Louis et ça devient Roi Louis. Ah, il faut une enclume. Ah, mais j'ai une enclume. Et on va l'appeler. Donc, il faut lui donner Roi Louis. Ah, oui. On pourrait l'appeler name tag. Ça me coûte 1 d'XP. Oh oh oh. Ouais, comme ça je vais pas m'embêter. Pendant les vacances, j'aurai un petit souvenir. Et puis de temps en temps, je pourrais dire tu vas bosser, feignant. Quand le chef est pas là, hein, les souris dansent. Bah, j'ai envie de mettre un call générateur ici. Je vais installer le auto-hammer au-dessus. Par contre, il faut que je le charge de sable. Tac, tac. Est-ce que lui, il va pouvoir produire du sable pour les deux trucs? C'est pas du tout, du tout, du tout, du tout évident. Là, 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 là. Alors, pour que le repeu soit pas mort, faudrait peut-être mettre un petit socle ici. Parce que les blocs qui flottent... Donc, on met le call générateur. On met ça dessus. Et il n'y a peut-être pas besoin d'extracteur en fait, hein. Donc on va lui balancer du jus. Ouais, il charge. Il charge, nickel. Ah, est-ce qu'il faut lui mettre un... Bon, on va tout de suite le tester. Ah, ça marche. Ça doit être juste pour l'accélérer, ça, en fait. Donc là, ça fait du dust. Et ça part pas, parce que... C'est dommage, là, il n'y a pas de petit personnage. Ah, du coup, je le vois plus bien, là. Ah, bah, si je me mets comme ça, je le vois. Je vois s'il bosse ou... Là, par exemple, il est en train de glander, là. Tu vas bosser? Hein? Tu vas bosser un petit peu? Ça me fait trop marrer, ça. Peut-être que je changerai avant de sa rentrée de vacances. Je vais en profiter pendant 15 jours. Et puis après, avant qu'il rentre de vacances, je mettrai quelqu'un d'autre. Je sais pas, moi, Davlek ou... un truc qui va amuser Roi Louis, quoi. C'est une plaisanterie, bien sûr. Voilà, c'est parti, là. Ah, ben là, il faudrait peut-être lui mettre un... No mesh. Est-ce que je peux me permettre de mettre une mèche en... Le dust sur le diamond. Ouais, ça donne 25% de chance pour avoir de la redstone. Ça sera plus efficace. Parce que si on le fait sur une mèche normale, on n'a que 12 ennemis. Puis après on a les mêmes choses. Il y a juste qu'on a de la glowstone en plus. Alors que là... Ah, on a les grains of Affinity. Oui, on va mettre la diamant. Bah, la diamant, ça tombe bien. Elle est là. Hop. Et hop, voilà. Oh, il tourne son bras. Il est bien mon pépère, hein? T'es bien mon pépère. Faut nourrir roi. Speed boost 2. Oh, rien qu'avec une carotte. C'est ce qui s'appelle marcher à la carotte. Bon là on va peut-être du coup pour fournir du de la poussière, il va peut-être falloir booster l'autre, quoi. Oh là 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 là, là c'est compliqué. Moi je dis le mot des, c'est compliqué. On a plus de bâtons? Si, on a des bâtons. On a plus de diamants? Si, on a des diamants. Hop.
Ensuite, j'ai oula, j'ai encore lui redonné une autre carotte. Par contre, ouais, à un moment donné, il sature. Il augmente pas en speed boost. Vous êtes sûr que ça va plus vite? Par contre, là, du coup, ça bouffe toute la production d'électricité. Hein. Ça consomme 40 FE. 40 FE, et ça, ça en produit 80, je crois. On va pouvoir revenir sur... sur quoi, déjà? Le Void Miner. Parce que... on a notre contrôleur, on a notre bâton d'assemblage, on a une lentille. On va peut-être commencer par ce qu'il demande le moins. Il nous faut deux laser cores. Oh, vache. Il va falloir deux connecteurs. Donc, il nous faut... tu me diras, je pourrais en faire plein, mais je vais les faire une par une. On va pas gaspiller. Pourquoi il me met ça, là? Il n'y en a plus là. Oh là, j'ai pas cliqué sur le bon truc. C'est ça que je veux. Et hop, deux laser corps. On avance. Donc, où on en est? On va doucement. On va doucement. Il nous faut 20 structures panel. Ça veut dire qu'il nous faut 20... oh mais j'ai bien fait de gagner. On va aller tuer d'autres pigmen, hein. Il va nous en falloir de la pépite. Il en faut juste 20 x 4, il en faut juste 80. On en a 3. Bon, il faut 20 connecteurs. Donc il me faut... 1, 2, 3, 4, 5. Tac, 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 tac. Il suffit de faire comme ça, puis tu te dis... oh, un stack. Ah, 80, ça veut dire qu'il en faut 16 de plus. Hop. Donc, on devrait pas être loin de pouvoir les faire. Eh ben voilà. Elle est pas belle, la vitre. Faut que j'arrête de parler comme relouille, hein, parce que... d'ailleurs, il en est où, lui? Non, mais tu vas pas faire ton feignant, toi. Hein? Tu veux encore de la carotte? Tiens, prends ta tuyau de carotte. Voilà. Puis tu me boostes ça là. On va pas y passer la nuit. Hein. 12 redstone. Alors, il nous faut 24 de ces bazars là. Donc 24 lingots. 24 x 2, il faut 48 littérites. Et 24 lapis lazuli. 48, il va m'en manquer un peu. C'est bien 48, hein? Oui, 24 x 2, 48. Il va m'en manquer 18. 24 lapis lazuli. Bon, lapis lazuli, c'est pas un problème. Puis 24 interconnect. Et on va déjà se faire... et est-ce qu'il faut de... non, c'est bon. Ça va surtout coûter cher en lingots et en lingots de fer et en redstone, en fait, ce truc. Donc, j'en avais combien? 34 et il m'en faut 48. Je crois. Donc, c'est bon. On va remettre ça là. Hop. Hop. C'est ça qu'on veut faire. Donc il va plus nous manquer que les 24 interconnect. Donc pour faire 24 interconnect, il nous faut 24. Ah bah là il manque de tout. Il faut 24 béton. Oh vache. Et 24 x 4, il faut 96.
On n'est pas loin. Il va en manquer très peu. Très très peu. Donc du béton noir. Du béton noir, on n'en avait pas fait plein. Bon, je l'automatise pas comme il n'y en a que 24 à faire. Par contre, pour bien les voir, on va les afficher là. 9. Structure frame. Interconnect. Il va juste m'en manquer 4. Donc il me faut encore 4 x 5, il me faut encore 20 redstone. Encore 2. Donc il me faut encore 7 redstone. Pas tant que ça de la redstone, hein. Bon, allez, on va se prendre la pioche et puis... J'en ai marre. Allez. Oui, en plus, il va faire nuit, ça va être impeccable. Oh, du diamant. On en a pas besoin, hein, parce qu'on en a des tonnes là-haut, mais c'est l'appât du gain, quoi. On craque, on voit du diamant. Réflexe de Minecraftien. Oh, on le tape, on le tape. Le... Ah! Oui! De la redstone! Dommage que je... Oula, ça pétouille! Oui! Super! Vache, ça flash, hein! J'espère que vous en prenez aussi plein les mirettes, hein! Il n'y a pas de raison que... Il n'y ait que moi! Oh, vache, le filon! Wow. Bon, ben on rentre à la maison, hein, on en a 58! donc, on va se faire le dernier interconnect. Hop. Hop. Donc, il faut que j'ai tous les trucs sur moi. 24, 20, 2, top, top, top. Donc, si on l'installe. Hop. Donc, on va s'installer. Bon, j'aurais pu le faire. Donc 3 de haut, je crois. 1, 2, 3. On l'installe là. On va peut-être casser ça. Peut-être se mettre assez loin. Et on lui met un coup d'assembleur. Et hop! Assemblée de false. Ah, peut-être parce qu'il y a ça. Ah, zut! Attention à ce trou. Ah, ou ça dure un certain temps en fait. Faut pas aller. Tiens. Faut rester cliqué. Ah. Ok. Merci, Zévec. Un problème, hein. Je peux le monter à la main ou. Enfin, il faut être sûr de pas se tromper, quoi. Salut, Quentin. Parce que là, il manque visiblement, il manque un structure panel ici. Hein. Ah, c'est là où il y avait la torche. Ok. Et qu'est-ce qu'il a fait de mon structure panel? Le petit saligo. Ouais, il l'a monté. Ok. Alors, il a pas l'air de vouloir monter les. Ah, mais c'est parce que j'ai pas fini. Oh là là là, j'ai les interconnects, mais j'ai pas les structures frame.
Oh là 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 là. Ah! Ouais! Tac tac. Je puisse sortir mon fluxduc. Voilà. Et ah, je vais pas en avoir assez de fluxduct. Voilà, ça va être connecté. On va lui balancer. On va lui balancer du lourd. Et puis il nous faut un crate. Et hop, c'est parti. Oh, ça fluxe déjà. Donc je pense qu'il va rien stocker, hein. Ploup, 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 ploup. Ouais, on va peut-être augmenter le nombre de générateurs. Ouais. Ah, si! Ça y est! On a un bloc de sulfure or. Bon, je rappelle que moi je voudrais de la. Qu'est-ce que je voudrais déjà? Du prosperity or. Bon, on va augmenter le nombre de générateurs. Les éoliennes de mécanisme sont simples à craft. Faut voir combien elles fournissent de RF, hein. Donc là. Là, déjà, il redescend un peu moins. Hein. On voit que son minimum, c'est 210. Ouais, je vais aller prendre le petit goûter. Donc merci aux modos, merci aux donateurs, merci aux spectateurs, merci pour les coups de main sur les trucs, hein. Sur les différentes machines et tout. Il y a eu quand même des changements entre la 1.7 et la 1.12. Puis moi, ça faisait un petit peu de temps que j'avais pas fait de modé, donc je raccroche les morceaux, mais doucement. Donc des gros bisous, et puis à bientôt. Ah!